quelles sont les nouveautés cette saison à la Vallée des Singes? Donc c'est l'arrivée des femelles chimpanzés qui est prévue cette année comme nouveauté. Les femelles sont arrivées il y a quelques semaines à la Vallée des Singes et on va très prochainement faire la mise en contact avec les mâles. Les varis noirs et blancs et roux vont vivre plus en haut des arbres. Dans la nature, ils ne se croisent pas, les noirs et blancs et les roux, parce que c'est deux sous-espèces différentes, mais à la base, c'est la même espèce. Ils ne se croisent pas parce qu'à Madagascar, leurs deux territoires sont séparés par une rivière. Donc, il n'y aura jamais d'hybridation dans la nature et on évite de faire d'hybridation en parc aussi. Je suis venue il y a une quinzaine d'années, ça m'avait plu quand j'étais adulte, on va dire. Donc, je m'étais dit que quand j'aurai un enfant qui sera capable de comprendre, bah, que ça lui plairait, et c'est le cas. C'est le cas, ça te plaît? C'est la première fois que vous venez ici? C'est une deuxième fois pour moi. D'accord, et alors pourquoi vous êtes revenu? Justement pour faire découvrir à mon ami qui n'est pas du département. Alors que moi je suis du département, donc j'y suis allé quand j'étais plus jeune. D'accord, et ça lui plaît? Bon, c'est la première, c'est l'ouverture, oui, effectivement. Ils sont... Ils sont bien, ils sont tout fous, vous voyez. C'est sympa, oui.